Voilà, si vous pouvez vous abonner sur la chaîne Zenlaka News, mais qui vous abonnez, vous pouvez cliquer sur s'abonner et puis vous activer la cloche, vous mettre l'option tout. Ou pas rater aucun vidéo. Bien, l'offre est abonné. Et bien, on va franchir sur page Facebook Zenlaka News là, sans tête grattée. Ou pas like page là. Ou pas tout abonné sur page Facebook là. Ou pas venir toute information nette, ni sur Facebook, ni sur YouTube. Vin connecter 100% 24 sur 24 sur Zenlaka News. Voilà tous les téléspectateurs et téléspectatrices sans Zenlaka News. On a dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. En fait, pour nous débattant, pour nous avoir de nouvelles qui ont fait actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde. Ou sur le channel PIA, channel information qui c'est Zenlaka News. Avec Tiffany Goffrey, nous checkons le peuple là et nous la pour nous porter toutes nouvelles qui ont fait actualité. Yon dit notre nouvelle là, tout bon, pas bon, dans 4 coulées, mon entier dossier, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et bien là, côté Martine Moïse, mesdames et messieurs, parler en pile causé Jodia et sous dossier l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou bien saisit en de causé, mesdames et messieurs. Donc on est, jou président Jovenel Moïse était assassiné, hein? C'était en présence de Martine Moïse. Nous revenons avec en pile information, en pile détail, en pile causé, parler. N'a pas tout pris un t-shirt pour Chita pour capable de nouvelles qui fait actualité. N'a pas merci papa bon Dieu qui est au ciel là qui gagne tout pouvoir toujours vous en chou accompagner quel que soit courir dans mes pieds nous pas jamais suspendre merci pour saluer pour ça la continuer dans la vie et n'a tout merci tout ou même qui fait partie de grande famille ça qui c'est famille Zenlaka News et n'a pas merci tout ou même qui fait partie de grande famille ça qui c'est famille Zenlaka News n'a pas de partager like abonner. OK c'est plop information en entraînement moment pemba information côté Martine Moïse te bayon interview dans un gros journal français et qui gagne dans la cour la France mesdames et messieurs qui c'est France 24 et bien là côté Martine Moïse parlait en pile causé et on a entendu mesdames et messieurs sans petit temps côté Martine Moïse ta bayon interview si là sous dossier l'assassinat du président Jovenel Moïse. Assassiné par un commando de mercenaires colombiens dans sa résidence privée de Port-au-Prince. Son épouse, Martine Moïse, est également prise pour cible et elle est laissée pour morte. Mais elle survivra et elle est avec nous aujourd'hui depuis Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous, Martine Moïse. Merci, Monsieur Perelman, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de France 24. Alors, une question toute simple, Martine Moïse. 2 ans après, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Pour moi, je vais bien si on peut le dire, mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions, je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bertford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que et suite aux mêmes enquêtes, il y a et le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari
était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc, ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Hein. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central, et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, hein, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes, et du coup, se pose la question du rôle de Michel Martelly, peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais lui dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours et il y a quelques jours, hein, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle qui n'était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité ni même les moyens financiers de mener une telle opération, parce que vous savez que c'est un crime est transnational. Donc les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe je demande le tribunal pénal international, parce que au niveau d'Haïti ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international, parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martin Moït? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide « Ok, je vais assassiner le président » et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que moi, Timo, ils ont fait ci, moi, Timo, ils ont fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout, pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse, c'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José Félix Badiou, aurait, d'après un document d'un rapport de police, hein, que je cite, appelé le premier ministre du pays qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat
est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mise au courant de ce qui se passait dans votre esprit? Donc c'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc c'est la DGCL qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en main, la DCPJ a travaillé dessus. Donc j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc d'après ces enquêtes, il est impliqué, donc c'est pas moi qui le dis. Alors, il est Premier ministre, j'allais dire de fait, parce que bon, le pays est dans une situation humanitaire évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce que Ariel Henry, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections? Parce que quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président 2 jours avant. Donc le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi qu'il y a autant d'accords? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre Premier ministre, avec un gouvernement de consensus, qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité, parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre Premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé de la violence, hein. On parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle, et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne craignent plus grave, ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau de Port-au-Prince et également au niveau de la Tibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, plus de près de 2 ans alors, donc qu'il a commencé à mettre en place son propre système de défense. Il s'est armé de machettes et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant la peur change de camp. Dans le temps, c'est le peuple qui avait peur parce que les bandits devaient venir chez lui pour le tuer. Maintenant, c'est autre chose, c'est l'inverse. Mais est-ce que vous appelez à une intervention de la communauté internationale comme l'a fait Ariel Henry, ou est-ce que c'est inutile et est-ce que c'est dangereux? De 2004 à 2017, nous avons eu une intervention qui nous a laissé un goût amer à la bouche. Les soldats qui étaient venus, ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos garçonnets, ils ont violé nos fillettes. Et avant de partir, ils nous ont laissé le choléra. Donc, on n'a pas trop envie de recommencer tout ça. Donc, nos amis qui veulent nous aider, renforcer notre force de police, renforcer l'armée pour combattre les gangs et avoir enfin une solution viable pour le problème de sécurité. Dernière question, Martine Moïse, est-ce que vous vous sentez prête, 2 ans après, à reprendre le flambeau de votre mari et peut-être de jouer un rôle politique, y compris de premier plan, dans le futur? Est-ce qu'on peut parler d'avenir là maintenant? Parce que le chef de gouvernement qui est là, il est en train de traîner les pieds. Comme vous savez, il n'y a pas de conseil électoral, il n'y a rien d'établi. Moi, je suis obligée de continuer avec la partie justice pour mon mari. Quand il faudra supporter quelqu'un ou faire quelque chose au niveau politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Martine Moïse. Tant qu'il est là, il ne fera pas d'élection. Martine Moïse, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Voilà, et nous sommes tendus, mesdames et messieurs, Martine Moïse qui soutient une interview pour plus de 10 minutes de interview avec France 24
Bon, nous sommes tendés qui ça se dit. En bref, bon, ça m'en attend. Justice pour le président Jovenel Moïse, comme toujours dit au monde, quel que soit le monde qui est impliqué dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il faut qu'il paye ça. Je ne sais pas qu'on est. Parce que je dis à là, un président pas qu'à mourir dans la condition ça là, mesdames et messieurs, et pour tout le monde qui a gardé. On va pour tout le monde qui a gardé. Et je souhaite Martin Moïse tout, il faut qu'on baille une interview tout ensemble avec nous tout, parce que la majorité d'interviews que Martin Moïse fait, c'est avec International Alpha, SPN, CNN, France 24, etc. Jusqu'à maintenant, il peut qu'on baille une interview avec médias en ligne, spécial médias en ligne, qui a frappé Red. Et si pas de médias en ligne, existence président Jovenel Moïse, pas ta plat ou Josami. Donc si président Jovenel Moïse parlait de Jovenel Moïse, pas ta existence encore, Josami. Vous comprenez? A fait parler du président Jovenel, pas ta bien ça, mais nous, dans les médias, campé Red, tant que tu m'as caca, pas de président, mais Martin Moïse, pour que jusqu'à maintenant, pour qu'on gagne volonté pour nous interview. En tout cas, et pas de problème dans ça, mais ça n'a pas empêcher nous tous pour qu'on continue à demander justice pour le président Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, et je vous souhaite nous quitter les commentaires sur le dossier ci-là. Carton pour tout vagabond criminel qui assassinait président. En tout cas, mesdames et messieurs, un petit merci avec toutes les amis qui t'attendaient au commencement jusqu'à la fin. Et nous sommes tendus, mesdames et messieurs, partagez, like, abonnez. Merci un peu. Moi, je vous remercie de vous déplacer, papa, bon Dieu, qui a eu la qui vient tout pour moi. Bye bye.